Pourquoi ça s'appelle les kikinettes? Parce que je m'appelle Kiki. Fait, on a appelé ça les kikinettes. Et depuis 3 ans, on a balancé cette marque-là, les kikinettes. Il y a plusieurs échelles, il y a 3 échelles. Oui. Il y a les kikinettes 200 grammes, les super kikinettes 400 grammes et les hyper kikinettes 1 kilo. Et donc après, ou alors on choisit son grammage pour avoir des grosses pièces. Voilà, je travaille à 10 euros les 100 grammes de terre travaillés et peints. Et il faut savoir que le concept de la marque, c'est que chaque voiture est faite à la main. Ils sont pas moulés, ils sont modelés. Donc chaque voiture, en fait, est une pièce unique. Chaque voiture est une pièce unique. C'est une pièce unique à chaque fois. C'est le concept de ma marque. Et vous utilisez quoi pour les... Et on utilise de l'argile. De l'argile. Donc c'est de l'argile posée en boule à 200 grammes ou 400 grammes ou 1 kilo. Et après, je modèle au doigt. Et on arrive à avoir ça avec des petits outils, tout ça, et pièce par pièce. C'est le concept de la marque, de la pièce unique. Vous avez des demandeurs? Ouais, pas mal, parce que ça commence à arriver dans les vitrines et tout. On en a même un qui est parti en Argentine, un bus Volkswagen qui est en Argentine. C'est le plus loin que j'ai fait, c'est déjà pas mal. On vous demande des modèles bien précis. Voilà, et on peut me demander son modèle, on m'envoie des photos, la plaque d'immatriculation, la forme des jantes, et je refabrique tout. Avec la plaque d'immatriculation. Voilà, les kikinettes, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut vous joindre, c'est... Il faut me joindre, il faut prendre une petite carte, c'est... à Maupertuis, en Seine-et-Marne, à côté de Coulommiers. D'accord. Attends, je fais la pub. Juste à côté de Coulommiers. Ok. Parlez comme ça, et moi je filme. Vos pièces, vous les trouvez comment? C'est des stocks anciens que je récupère soit dans des vieux garages, soit que j'ai acheté il y a quelques années dans d'autres bourses, soit des pièces que j'ai démontées sur des véhicules aussi. Et vous avez des demandes? Oui et non, ça dépend, c'est très aléatoire. Voilà, très aléatoire. Il y a des jours où ça marche fort et des jours rien du tout. C'est comme ça. C'est comme ça, mais ça vous plaît? Oui, voilà, ça passe un peu le dimanche. Merci. Au revoir. Je suis à la maison, j'en ai 3 fois plus que ça. Vous avez fait 3 plus, 3 fois plus à la maison? Oui, j'ai tout, parce que là, à la maison, j'ai débarreur, j'ai alternateur, j'ai carburateur, il y a tout. Hein. Et on peut vous trouver sur Marans-Silvange? Ouais. Merci beaucoup. De rien. Quelle voiture collectionnez-vous? Écoutez, j'ai une 205 CTI et une BMW 1602 de 73. C'est ma passion, c'est mon métier. Je suis mécanicien à la base. Mécanicien, voilà. Vous collectionnez? Oui, depuis toujours. Je vois des pièces là, détachées ou des...
Oui, bah, tout ce qui se rapporte au garage en déco et vieille publicité de garagiste. Et comment vous faites pour retrouver tout ça? Eh ben, c'est de bouche à oreille, des garages qui ferment, des vieilles enseignes qui ne retrouvent pas preneur, et puis qu'on retrouve des panneaux accrochés au mur encore, et puis voilà, on les rachète. C'est une passion. Ah oui, c'est même une maladie, je dirais. Une maladie. Ah oui, une belle maladie. C'est une maladie, bon, si c'est une belle maladie, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Moto anglaise. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes des motards? Oui, bien sûr. Et quelle marque vous voulez? Moto anglaise, Triumph, 1200. Et monsieur à côté? Moi, ce sera une Yam 1300. Pareil. La barbe à papa, elle est là. Personne, Fat Boy. Enfin, c'est pas lui, hein, la barbe à papa. Hein. Ducati Javel, la italienne. La machine qui fait la barbe à papa. Ouais. Toujours une italienne, Dolta. Forcément. Oui. Et vous vous exposez souvent ou... Jamais. C'est la première fois que vous venez? Oui. Vous êtes du coin? Oui, Aïe-sur-Moselle. Bah, c'est pas loin. Non. Hein. Juste à côté. La petite balade du dimanche. Eh oui, donc... Je fais une petite dédicace à Sandrine quand même. Elle se reconnaîtra. Sandrine? Oui, elle se reconnaîtra. C'est qui ça? Tant que je parle dans le micro, elle saura. Elle saura. Elle saura. C'est pas une marque. Non! Allez, tout seul, ça peut être une marque. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. De la région, dans la vallée de la Fench, comme ça on l'a dit. Voilà. Nous exposons des véhicules militaires US de l'époque 45, de la 44, 45, la Libération. Des nouveaux modèles, nous avons toute la gamme qui est de la Jeep, au Dodge, W52, au 54 et l'ambulance. Les GMC, Bigop, Thibaut, tu arrêtes. Je vais me fâcher. C'est connu quand même. Il y a des exploits. Et en principe, nous avons encore un émute qui n'est pas venu aujourd'hui. Un véhicule particulier de reconnaissance. Ce sont les bénévoles qui entretiennent les véhicules. C'est-à-dire que tous les véhicules appartiennent au personnel. Il n'y a pas de véhicule à l'association. D'accord. C'est l'association French Militaria Motor Club, mais les véhicules appartiennent aux particuliers. L'association n'a pas de véhicule. Pas les moyens. Mis à part ces sorties-là comme aujourd'hui, vous allez aussi dans d'autres manifestations. C'est-à-dire les manifestations patriotiques, comme le 8 mai, bien entendu, c'est notre cheval de bataille, le 8 mai, ou le 14 juillet sur certaines communes, ainsi que la libération de la vallée de la Fench et de la Moselle, qui se situe en septembre. Le site Hayange a été libéré le 10 septembre, donc nous participons à des expositions dans la vallée. Est-ce que vous avez une prochaine manifestation en cours? Oui, le 13 juillet à Montois-la-Montagne et le 14 à Florange. 14 juillet, fête nationale. Nationale, donc vous êtes voilà, à Florange. À Florange. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Au revoir.
que vous avez dégoté cette voiture? C'est une Lotus. Donc c'est une Lotus Caterham. Ça a donc les deux marques, parce que ça a été, elle est de l'année où Lotus a vendu Caterham. Donc Lotus a vendu Caterham. Et donc elle a d'un côté Lotus devant et Caterham derrière. Donc elle a les deux marques. Elle a les deux marques. Voilà. Parce que Lotus a vendu à Caterham la marque. Donc elle a encore beaucoup en circulation. Elle est de 1980, non, je pense pas. Donc cette voiture-là, il y a à peu près 240 voitures. Moi, je pense qu'il n'y en a plus autant sur le marché. La mienne, c'est la 80e voiture. Voilà. Elle est de 1980. Voilà. Et il y a beaucoup d'entretien? Ben, on l'a refaite entièrement, non, ça va là. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre l'allumage électronique. Parce que c'est vrai qu'au démarrage, si on ne les roule pas souvent, c'est des fois il faut faut remettre la batterie et tout. Donc voilà. Et vous roulez partout avec? Non, moi je la sors que pour la balade. Que pour la balade, sur petite route. Bon, je ne fais pas des très très grands parcours. Hein. Voilà. J'ose pas vous poser la question que vous avez avec ça. Ben beaucoup. beaucoup, je ne sais pas exactement, mais bon, c'est un petit réservoir à peu près de 35 litres. Ah ouais. Donc il faut que je fasse souvent le plein. Quoi. Mais bon, moi je roule modérément. Hein. De temps en temps, je me fais un petit plaisir quand il n'y a personne sur la route, une petite accélération, mais bon, voilà. À part ça, bon, c'est la conduite donc à droite, hein. On l'a laissée comme elle est d'origine. À l'origine. Voilà. La peinture a été refaite. Ça ne vous pose pas de problème pour de conduire de la conduite? Pas du tout, c'est ce que je disais au monsieur. Moi, c'est, je m'adapte à tout. Hein. Mon mari a un trike, donc il a une boîte manuelle à gauche. Donc le seul souci, c'est quand on dépasse un camion, c'est un peu embêtant parce qu'on ne voit pas. Ah ouais. On est complètement à droite, donc il faut prendre de très très loin pour doubler. Mais sinon, impeccable, voilà. Puis c'est des bonnes sensations parce qu'on est à ras du sol. Ouais. Ça donne de belles sensations. Voilà. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir. Une Fiat 500. Pour moi c'est tout simple, je suis marié avec une Sicilienne. Ah. Donc automatiquement je pense que la voiture va avec la femme quoi. Vous l'avez trouvé vous la vôtre? Je crois. En Sicile? Non, de voiture. Ah aussi oui. En Sicile. Oui. La femme et puis la voiture. Voilà, voilà. Les deux. Et comment vous l'entretenez? Ah, c'est ma femme qui l'entretient. Hein. C'est son bébé à elle. Moi je suis pas. Je suis pas dans le métier alors. Elle la bichonne, mais c'est tout. Hein. Vous roulez souvent avec ou est-ce que... Ah, tous les... Oui, pratiquement tous les week-ends. Tous les week-ends, oui. Vous roulez avec? Oui. Si on peut vous poser la question, la consommation? Ah, c'est du 4-5 litres au 100. Ah bon? Oui, 5 litres au 100, oui. Oui, ça consomme pas grand-chose. Ah oui. Non, dès qu'après, ça dépend du moteur. Oui. Mais si le moteur est d'origine, en 500 cm cube, ça consomme rien. Quoi. Oui. Il y a un peu la place, ça va? Ah oui, oui. Oui, on peut, à 4 personnes, on peut aller dedans. Hein. C'est vrai que ça a été la première voiture de la famille italienne. De la famille italienne.